Zan yon mèm sa kap fèt, yon sou branche, fwa bouje. James is an akal anek China. Monsye re branche le chifounye. Bral ton ba ou la. Ki ka wite chouke ou? Ou pa suppose raze ou $1,000 Ameriken. Soutou nan epok sa nan viv la. Non. Ou pa suppose raze pou $1,000 Ameriken. Ou pa suppose gen problem $1,000 Ameriken. Non. Non yon ta di James so ap di kon sa. Mbap travay. Ou di mè si mè nan travay son chomaj degize paske yo pa paye son salè pou a choko yo ban mwen. Koman fè mba raze ou $1,000 Ameriken? $1,000 Ameriken yon James. Mke bi sa mzou. Nan epok sa la, nan tan sa la. Ou pa suppose raze ou $1,000 Ameriken. Pa an pat gen opportunite sa yo, ki gen joudi an la. Men ou men, ou gen opportunite sa yo. Ou nan gen da zim, de ki opportunite ap pale la, James? Koman moun fè l'ajan? Donc, koman moun fè l'ajan? Majorite moun yo fè l'ajan, se un job ki yo gen. Job lan sa li ou alo fritan, ak talan, epi ou an moun ni bon kop chak mwa ou bi chak kinzen. Se moun sa majorite moun fè kop. Mais il y a deux problèmes avec ça. C'est que, dans un premier temps, où on seul monde qui a payé, qui c'est patron, c'est lui qui décide, qui l'a, combien de la bas, et puis, combien de temps on travaille. L'économie était temps, il faut venir dans le travail à 8h, à 9h, on va quitter à 4h, 5h, 6h, c'est un voyage qui quitte même, plus même, il y a qui fait deux jobs, etc. C'est pas répété fiel. Donc, ou qu'a toujours 20 ans, ou ka toujou vann talan et puis ou pa gen contrainte sa yo. Se sa ou rele freelancing. Sou pa konnen mzou li. Free, ou vin tou non freelancer. Sa ve di ou ap ou free tan, ou ap ou free konesans ou, ou ap ou free talan, savoir fè ou, et puis ma place de manche ap remunere ou, yap bo kòb, yap pe ou. Ou pa gon sel patron konnen la kap deside konmen kòb pou ba ou, se manche an kap deside konmen kòb yap ba ou. Paske ou gen plizye kliyan. Donc konnen la salè ou pratikman bien revenu ou pa gon limit. E jodi ou gen dwa deside ou ap travay, demen se vodi ou pa travay. Ou pa nan vakans ou ap pran ti bou bout lan, e pou ap deplase avèl nou ral trip. San problèm. Pa gon patron kap rele ou kap di nou pa ou nan travay la matin, so gen yon koto ye, etc. Non, pa nan bay. Jodi ou deside ou pa travay. That's it. Bel bay. E ou still ap fè kòb. Freelancing. Mwen gonzan mi kap fè sa, mwen jwe le na El Mele. Mwen jwe ap viv an Chin. Mwen jwe pa yon problem pyes. Fè nè ki pa raje pou $1,000 Ameriken. Tout simplement paske mwen jwe deside mitrize domen sa. E mwen jwe fè sa ase bien. Gen moun ki pa limit la. Mwen wè dejem, mwen jwe son neg is the real deal. Monsieur crée un coup côté que li vle partager avec moun tan kou k'ap gade vidéo sa comment que ou même ou ka fè sa tout ou ka viv style de vie sa ou pa obligé kite travay ou automatiquement sou non job déjà OK ou ka toujours nan job lan et puis ou tou non freelancer et puis ou ap vann service sou ba gen job déjà bon tant mieux les sa konn gen tout temps pou capable développer activité personnelle. Et ça que bel nan freelancing nan, comme c'est ou k'ap gérer tan, konnen la ou ka gen problème de time management. Ou gen dwa pa konn comment pou bien gérer ton. Et monsieur li même comme monsieur gen pile expérience, nan el gen pile expérience nan domaine nan, monsieur tout fè on lot ti kou et ou ap ni just ajouter $9.95, ou ka acheter kou sa pou tri parler de time management, on sait de secret que monsieur découvri pour capable bien gérer tan. OK? Mais ou pa obligé sou son moun ki déjà son moun ki discipliné ki konn comment pou gérer ton, ou pa obligé ajouter ça la pa yo. OK, ou bon, je prends partie ça. Ou just prends partie qui parler de Fiverr, hein, qui montre comment domaine freelancing là comment le fonctionner, comment capable faire comment ça avec. Si ça intéresse, cliquez sur petit bouton en bas vidéo ça ou bien les vidéos ça, whatever côté web bouton. Hein, pour capable tomber sur page côté que ou même ou capable prendre coup Fiverr ou bien joindre plus d'informations sur coup Fiverr ça et puis prendre coup, on va conseiller au prendre parce que son bagage qui capable aider ou sorti nan soye. Si toutefois ça intéresse. OK, c'était monsieur Red Branché de China, James C. Saint le chiffonnier qui bon conseil et m'espère que vous apprenez et que la petite jodi coup de main
et puis rebrancher.